Bonjour à tous, bienvenue sur Farming Simulator 17 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo où il n'y aura pas d'intro. Voilà, c'est juste une vidéo info à vous dire. Alors, vous voyez, on est. Oui, il y a plein de tracteurs Renault. Peut-être que je vous les présenterai. C'est pour vous expliquer. Voilà, il n'y a pas que cela, il y a ces deux-là. Alors, attendez, hop, je me mets en vitesse 0. Il y a ceci, voilà, je vous le présenterai peut-être plus tard. Donc on est sur la map La Campagne Agricole V2. Alors pourquoi? Alors j'ai voulu faire une nouvelle série, mais avant de vous dire ce que c'est la nouvelle série, donc il y aura la... Donc avant, normalement je devais poster après la... Je crois après la... La vidéo forestier, mais du coup je vais la poster avant, donc après cette vidéo vous aurez l'épisode 7 de la ferme de la semaine et de forestier. Désolé si vous entendez le ventilo, si vous entendez bruit extérieur, c'est normal. Donc dans cette vidéo il y aura tout simplement plusieurs choses. Donc, comme vous savez, la ferme de la semaine sur la map AgriOC, je vais changer de map. C'est pour ça que dites-moi dans ces commentaires-là, dans cette vidéo-là, ou dans les commentaires de la vidéo de là, ou dans l'autre qui va sur de la ferme de la semaine, l'épisode 7. Dites-moi si vous voulez qu'on aille sur la Selby Farm ou sur la Morée. La Morée, sachant que c'est des champs grands, c'est une map qui est bien, j'aimerais bien y jouer. Mais bon, on peut séparer les champs en... On peut séparer les champs en plusieurs. C'est-à-dire, au lieu de faire un grand normal, vous faites trois petits, voilà, vous faites un pré, etc. Et voilà, ça vous fait plusieurs champs sur un grand, si vous jouez seul comme moi. Voilà pour cette... voilà, puis la Selby Farm, c'est cette map vallonnée comme j'aurais dit dans l'épisode 7, vous verrez bien. Donc voilà, c'est à vous de choisir, vous êtes libre de choisir la map. Je vous donne juste les deux noms de la map, la Morée et la Selby Farm. Vous les retrouvez sur le mode de Farming Simulator 17, dans catégorie mode. Mode, après vous faites dans catégorie carte map. Voilà, et vous trouverez, vous faites juste regarder les pages et tout. Donc là on est sur farming, c'est normal, vous entendez des poules, etc. Donc voilà. Donc, vous savez qu'il y a aussi forestier. Donc, comme je vous dirai dans le premier épisode, on démarre avec 3000 euros, mais vous reverrez tout ça avec 3000 euros. Et le but, c'est la plus grosse entreprise forestière du monde entier. Donc, voilà. Mais solo, voilà. Donc, c'est pour la deuxième info. Nous avons aussi donc la nouvelle série. J'ai déjà fait parce que je prépare les playlists, les playlists comme ça quand je publierai les nouvelles séries, ben elles seront catégorisées dans la playlist, comme ça si vous avez envie de les retrouver, vous les retrouvez. Donc, je vous expliquerai après. Il y avait aussi la map que la au début, la série au début, j'ai vu qu'elle a fait 0 vu. Alors est-ce qu'elle était trop longue? Parce que maintenant je vais faire que des vidéos de 20 minutes sur la ferme, sur la Sovnovka. Parce qu'on part à zéro comme si on n'avait pas de mode ni rien quand on avait le jeu le premier jour. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça. Donc c'était pour vous dire. Peut-être qu'elle était trop longue, dites-moi dans les commentaires, ou trop courte, ou que c'est pas le moment, mais sachant que si j'ai plein de séries, je vais me paumer dans les trucs. C'est pour ça que je sais quelle série je vais faire, je changerai de série, j'en ai un peu marre. Donc voilà, désolé, je suis un peu malade, je suis enrhumé, et etc. J'espère que vous m'entendrez bien dans la vidéo. Donc la nouvelle série, ça a rapport avec tous les Renault, parce que je vais faire... Alors le titre, ça va être 100% Renault et vieux matos. Qu'est-ce que ça va être comme série? Ça veut dire qu'en tracteur, j'aurai tout ça en Renault. Pas tout ça, mais j'aurai quelques Renault comme ça.
Mais ça sera que des tracteurs en Renault. J'ai pas trouvé de moissonneuse ni d'ensileuse Renault, mais je pense pas que Renault a existé, hein, des tracteurs comme ça ou autre. Donc voilà, je vous les présenterai plus tard quand on aura le temps. Bon, donc voilà, et on aura du vieux matos dans notre ferme pour donner à manger, etc., pour travailler la terre, etc. Mais je vous demanderai des fois des questions. C'est pour ça que j'aime bien faire interagir mes abonnés, ce qu'ils veulent. Sur ce style truc, voilà. Je sais que les deux premiers, je sais ce que je vais prendre comme tracteur. Après, les deux qui vont être en vallée de ferme, vous me dites ce qu'il faut comme vallée de ferme. Donc voilà. Alors, que ça va être? Ça va être alors sur la map, ce moment où vous regardez. Alors, pour moi, la map n'est pas sortie, mais au jour où vous regardez cette vidéo, elle est publiée samedi de toute façon. La map est sortie, donc voilà. La map, c'est la map bretonne, donc je verrai qu'on verra si elle est bien ou pas. Elle va sortir le 6, et vous aurez la vidéo le 7 de celle-ci. En ce moment, pour moi, ça sera le 6 que sortira la map. Donc c'est une map bretonne, voilà. Je vais voir comment elle est. Si elle est bien, elle est bien. On commencera peut-être les épisodes. Parce qu'il faut savoir que Black Sheep, pour ceux qui aiment les vidéos de Black Sheep et tout, etc., vont sortir une map aussi, comme la Host Stream, parce que j'aimais bien la Host Stream, c'était des vieux bâtiments, des trucs comme ça. Et là, ils ont un peu reproduit le même truc sur leur map. Et peut-être que quand la map bretonne va sortir, donc quand la map bretonne va sortir, on y jouera 2-3 épisodes. On verra combien d'épisodes je préfère dessus. Et dès que la Black Sheep Mudding, celle de Black Sheep Mudding, la map, je crois que c'est The Farm, je sais pas quoi, et ben. On ira dessus parce que les véhicules vont bien avec la map et en plus c'est comme celle-ci, hein. Celle-ci c'est une petite map vallonnée un peu et elle se prête bien aux véhicules, hein. C'est pour ça que je l'ai pris pour faire la vidéo, hein. Mais ça sera pas sur celle-ci. Donc voilà pour cette info. Donc on aura du matos. Je vais créer une petite ETA parce que ça peut arriver. Alors je joue avec les véhicules Renault dans ma ferme, d'accord. Quand je travaille l'échange, je serai avec des Renault et des trucs comme ça. Mais quand j'aurai besoin de grosses puissances, je serai obligé de prendre un tracteur de l'ETA ou autre, qui ne sera peut-être pas un Renault, qui ne sera peut-être un Fen ou un Massey. C'est pas grave. Moi, le but, c'est dans ma ferme, il n'y a que des Renault. C'est tout. Et du vieux matos, c'est tout. Mais après, l'ETA, je m'en fous. Il peut y avoir des matos modernes et tout, on verra. La partie sera pas cheatée. Voilà. Elle sera normale, on verra. Elle sera normale, c'est-à-dire qu'on va gagner notre vie comme ça, on va se démerder, etc. Donc, je les ai mis dans l'ordre. À part ces deux-là, je sais pas s'ils sont. Ouais. S'ils sont pas dans leur bonne catégorie. Donc, pour savoir, donc on va jouer avec du matos, donc on aura des tracteurs Renault comme ça. Oui, il y a ces deux aussi là-bas, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est ceux que j'ai dans mes bois, je vous les présenterai. Donc il y aura ça avec du vieux matos. Je verrai ce qu'il y aura. Ça se peut que je prenne du matos d'origine du jeu, hein, le matos d'origine du jeu, ça se peut. Parce que si je trouve pas de vieux matos, après, si vous en avez, ou vous êtes en train de convertir, ou vous êtes en train de fabriquer un mode pourrait servir pour les vieux tracteurs, etc., dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions pour cette série, il n'y en a pas de problème, je les répondrai. Il y a voilà. Alors je sais que ça va être 100% Renault, donc dans ma ferme à moi, j'aurai que des Renault en tracteur et pas d'autres marques. Par contre, le TAE, eux, ils auront toutes les marques qu'ils veulent. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous voyez avec un T7, un violent T7 moderne avec des faucheuses, me dites pas dans les commentaires, ouais, mais t'as conduit un T7 Newland de moderne, ou non, t'as conduit un Newland, ta série ne s'appelle pas 100% Renault.
Mais c'est pas ça. Moi, 100% Renault, c'est que j'ai des tracteurs Renault. Voilà, j'aurais du vieux matos. En tracteur, j'aurais que Renault et pas d'autres marques. Par contre, le TA, eux, ils ont toutes les marques. C'est-à-dire, si j'ai besoin de leur prendre un des tracteurs pour feucher, eh ben, je me gênerais pas à prendre un Yoland, même si c'est pas un Renault, si, même si c'est pas un Renault, c'est pas grave. Pourvu, c'est juste pour faire du champ d'herbe, etc. Donc voilà. Après, s'il y a d'autres Renault, dites-le-moi dans les commentaires, parce que là, j'ai presque toute la série. Je vous les expliquerai. Donc, ils sont bien dans l'hangar, là, tranquillou. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, etc., vous nous dites dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je suis un peu enrhumé, je parle doucement, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions à me dire, n'hésitez pas dans cette vidéo à me poser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous les répondrai, il n'y a pas de problème si j'ai le temps. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation des Renault. Tous les Renault sont disponibles. Hein. Ils ne sont pas en privé, ils sont disponibles. Vous tapez juste le nom, vous faites une pause sur le Renault. Donc, vous faites une pause sur le. Vous écoutez ce que je dis ou le. Où le vous faites une pause de la vidéo et vous marquez le mode. Voilà, donc on va commencer. Donc, on va commencer avec celui-là. Donc, c'est un Renault D22. D22, voilà, D22. D22. Et regardez le bruit. Alors, est-ce que je peux? Hop, alors la vue elle est un peu buggée. Regardez, hop, quand je descends ma souris, ça fait le lever. Quand je monte ma souris, voilà. Là, ça n'est pas bugué. Je fais droite gauche, c'est pas bugué. Et attention, est-ce que vous entendez le bruit? Wow. Regardez. Et quand vous avancez et que je freine, par contre, quand je recule, ça ne fait pas le bruit. Donc voilà pour celui-là. Alors celui-là, je vous déconseille. Oula. Je vous déconseille de prendre des trucs portés. Parce qu'il lève le nez. J'ai essayé avec la tonne de jour dans le pré qui fait 2 tonnes. Il a porté bien à vide, mais quand j'ai rempli les 2 tonnes, il a levé le nez. Si vous voulez voir, allez sur mon Facebook dans la description. Peut-être qu'il y a mon Twitter dans le. Regardez dans mon Twitter et il y est. Mon Twitter, il y a la photo qu'il lève. Ça, c'est mon papier en avait un. C'est un Renault 54. Un Renault T54. Le problème, c'est qu'au démarrage, alors est-ce que. Voilà. Par contre, il est buggé lui aussi. Il a vu, j'ai vu qu'il y avait. Et quand je démarre, il n'y a rien. Et quand j'avance. En tant que le frein et il n'y a pas de son. Donc voilà. Par contre, les gyros sont fonctionnels. Hein. Celui-là, hop. Voilà. Si je fais celui-là, pareil. Hein. Voilà. Alors, on va passer au pseudo. Sur C2, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc c'est un. Alors là, c'est un 751 4S. Et lui, si je veux bien. Voilà, 751, c'est les mêmes. Le problème, ils sont un peu buggés. Parce que quand vous mettez le chargeur avant, le bâti de chargeur avant, le chargeur avant, il est de. Comment dire? Il est à 10 cm du socle. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est pas contre le socle du bâti de chargeur. Vous me comprenez. Pareil, celui-là, mais il marche, hein, vous inquiétez pas. Les gyros, ils marchent. Alors, regardez, je les appuie. Pareil, l'autre c'est pareil. Alors attendez, je suis. Ah, bugué. Pareil, hein, l'autre il marche aussi. Hein, regardez, hop, non. Pareil. Voilà, il marche. Voilà. Donc voilà. Donc là on a un 90-34. Alors tous les véhicules ont. Tout est le standard sur tous les véhicules. Hein. Après, vous regarderez. Voilà. Donc, c'est le Renault TX 9034. Par contre, le bruit est phénoménal. Je vais vous le laisser écouter. Par contre,
Voilà, c'est le bruit d'un TM. Donc voilà. Nous avons un 95-14 de chez Renault, toujours XT. Si je le monte dedans, moi je l'aime bien celui-là. Et vous verrez, Sarro, il est sur tous les Renault. Je pense pas que c'est pour celui-là aussi. Mais écoutez celui-là. Et il me fonctionne. J'irai aussi. Il n'y a que celui d'à côté. Fais voir si lui il a le truc. Oh. Non. Voilà, l'intérieur c'est un peu basique. Hein. C'est des 8 Renault. Là on a un 103. Alors, 103,54. C'est de TX. Si vous les voulez, les modes, je peux vous donner les liens. Hein, mais ce ne sera pas le lien d'origine. Écoutez le son. C'est les mêmes. À part le 90-34. Et Giro aussi fonctionne. Donc voilà. Si. Voilà. Bon, celui-là, c'est le. Hop. Lui aussi, il a le petit truc là. Voilà. Désolé, je suis en remis. Et donc. Le 155-54. Donc là il est marqué turbo mais je l'ai pas pris turbo hein, il est normal. Donc il y a 155 normal, 155-54 normal de 143-144 chevaux, 143 chevaux et le turbo donc le 155-54 turbo il est à 155 chevaux et pareil hein, vous voyez il marche tout marche les leviers. Voilà, Giro, je pense que ça doit fonctionner. Voilà, il y a même l'animation. Alors, voilà, il marche. Hein. Il y a le levier, toute animation. Ils ont tous lissé, je pense. Voilà, Giro aussi. Et on a le Renault Ares que vous connaissez. Donc, moi, c'est une version. C'est un Allemand qui l'a converti, qui l'a modifié et tout. Donc voilà, donc c'est un 540 de chez Renault Ares. Hein. Je monte dedans, je crois qu'il a lissé. Il me semble, voilà. Vous avez lissé, etc. Moi je peux pas l'ouvrir parce que il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a, oui, le toit. Il y a la porte, tout à lissé. Hein. Faut juste regarder. Là, il est en 544. Donc voilà, on va regarder dans le shop. Si vous voulez savoir, les Renault. Donc voilà. Donc le RS. Voilà, il y a toutes les configurations, chargeur avant, etc. Vous pouvez mettre en 540, en 610, en 630, en 710, 725, et c'est tout. Ah, 725, moi je pensais 740, mais non. Voilà, et là si je fais... Là, j'ai 85 chevaux avec 540. Et si je prends le plus gros, j'ai 775 chevaux pour un prix. Après, vous avez d'autres configurations, etc. Donc voilà. Donc le Renault D22, il n'y a rien de configurable. Le Renault 56, rien de configurable. Les Renault, il y a juste le chargeur avant. Un chargeur, oui ou non, c'est tout. Je pense que c'est pareil. Hein. Si je prends l'autre, c'est pareil. Hein. Ils sont juste buggés, le chargeur avant. Ne prenez pas si vous faites du roleplay. Si vous faites une carrière solo, normal, vous en foutez. Mais si vous faites du roleplay, prenez-les pour pulvériser ou traîner des petites remarques, etc. Toutes sortes d'outils, mais pas des trucs où il faut charger des big bags, etc. Donc on en a un, deux, c'est tout, trois. On a le 100 354, donc attelé, chargeur avant, configuration des roues, vous avez deux types de pneus, vous avez, je pense que ça doit être une personnalisation, je sais plus quoi. Donc voilà, nous avons le 154 155, donc attelage, etc. Vous avez la version 143 chevaux pour 155 54, et la version turbo c'est 155 chevaux. Après vous pouvez pneus étroits, pneus larges, standard. Après vous avez pareil la couleur, etc. et la personnalisation, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, les Renault, c'est pareil. Donc si je prends l'autre,
c'est pareil. Donc il n'y a pas besoin de voir. Donc là il y a les 4. Ça c'était des Renault de X3D, mais ils étaient convertis sans l'accord du modeur. Donc, voilà. Pour ça que Cam et Malo, ils avaient fait leur propre version. Ben, le Renault de X3D, ils l'ont converti, ils avaient l'autorisation du modeur, mais comme il y en avait qui ont sorti les Renault avant, du coup ils ont pas sorti la version que X3D avait donné l'autorisation à Cam et Malo. Donc pareil, donc là c'est le 95-14, donc attelage, chargeur avant, type de pneu, configuration, c'est le même moteur. Si vous voyez le petit truc du pare-brise, c'est pareil. Donc je crois que c'est tout. Par contre, on n'a pas le 90. Si vous cherchez le 90-34, je crois, je l'avais chopé où? Dans ça. Voilà. Il est dans divers, si vous le cherchez. Il est divers. Donc voilà. Donc, on a juste chargeur avant, oui ou non. Donc voilà pour cette vidéo. C'est un 90 chevaux. On verra bien. Donc, nous, on va s'arrêter là. Je vous ai fait une belle miniature. Si vous avez vu, dites-moi. Voilà. Donc, ça, c'est Thierry. 100% Renault. Voilà. Si la Black Sheep Body, celle de la map de Black Sheep Body sort, et ben, on se mettra sur cette map. Mais pour l'instant, on ira sur la Bretonne. On verra, je ne sais pas, j'ai des petites questions un peu dans ma tête à voir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif, négatif. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez les liens des modes, vous me dites quel tracteur du mode vous voulez. Et sinon, vous avez juste à taper sur internet FS17, comme moi j'ai fait FS17 tout attaché. Espace mode, et après vous tapez Renault, Fen, etc. et vous trouvez vos modes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc nous on se retrouvera très vite, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et n'hésitez pas, nous on se retrouvera très vite pour le premier épisode sur cette série, la nouvelle série. Là vous aurez la ferme de la semaine qui va arriver, puis forestier, et après vous aurez peut-être la nouvelle série, le temps que je m'installe, le temps. Mais on va commencer à zéro, on va faire le commencement comme je fais d'habitude pour les premiers épisodes. Donc voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais peut-être tourner une vidéo forestier. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à plus tout le monde.